Fin septembre, Pierre Arditi donnera la réplique à sa femme, Evelyne Bouix, dans la pièce « Fallait pas le dire » de Salomé Lelouch. Alors que le couple est toujours aussi complice, si est sur le plateau de cet avoue que le comédien a fait de nombreuses confidences. Si par le passé, il avait assuré avoir ramé afin de séduire Evelyne Bouix, Pierre Arditi a confié à Anne-Elisabeth Lemoine et sa bande de chroniqueurs, « Je n'aille pas ramer parce que je pense qu'on s'est plus vite, très vite même. Et j'ai ramé, comme on dit, pour faire ma vie avec elle, parce que ce n'était pas si simple, elle n'avait pas forcément décidé de le faire aussi vite. D'ailleurs, elle a mis un temps fou, 7 ans pour vivre ensemble. Si est-ce quand même pas mal. » Interrogée sur le plus gros défaut de son mari, Evelyne Bouix a révélé de son côté, comment dire, son énervement, je dirais, sa véhémence. Il y a des moments où je lui dis, mais calme-toi, Pierrot, tout va bien. Si est-ce à n'importe quel moment de la journée, si tout d'un coup, il a un truc, il se monte tout seul. Amusée, Anne-Elisabeth Lemoine a déclaré, ce qui fascine Salomé, si est-ce votre capacité à monter très rapidement dans les tours et à redescendre vite. Vous êtes capable de vous égorger pour un rôti trop cuit dans la vie et à vous battre pour savoir lequel de vous deux va descendre la poubelle 2 secondes plus tard. En toute transparence, Pierre Arditi a assuré, si est-ce ce qui fait la richesse de notre couple. Pas qu'on s'engueule jamais vraiment parce qu'à bout de 2 minutes, on s'emmerde. Patati patata. Chacun fout le camp de son côté, et puis 1 minute et demie après, tu peux aller me faire un café? Oui bien sûr. Et puis si est-il terminé? Pierre Arditi, si est-il pas une femme entretenue dans la pièce écrite par sa belle-fille, le personnage de Pierre Arditi dit que sa femme est entre... Alors que Pierre Lescure a souligné que Evelyne Bouix avait démarré sa carrière très forte avant de se sacrifier, la comédienne a confié, « Je suis une femme sacrifiée qui a renoncé à son indépendance. » Enfin, son mari a ajouté avec humour, « Mais tu as bien conscience que le renoncement, si est-il avoir moins, or il me semble qu'avec moi, tu as plus. Plus de mètres carrés, plus de cadeaux, plus de voyages. En fait, je cherche. Je vois pas trop à quoi tu as renoncé. » Avant d'ajouter, « Si est-il pas une femme entretenue, si est-il une femme qui s'entretient. »